Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les produits que j'ai testés dernièrement et ce que j'en pense. Il y a vraiment des pépites, les amis. J'ai des choses de chez AliExpress, Sephora, des soins. J'ai même un soin blanchissant pour les dents dont je vais pouvoir vous en parler. Et voilà, ça fait un moment que j'ai certains de ces produits, donc je pourrais vous donner mon avis. Et on va commencer tout de suite par un achat AliExpress. Ce sont ces boucles d'oreilles. Je vais vous les enlever pour vous les montrer de plus près. J'espère qu'on verra bien. Ce sont des boucles d'oreilles couleur argent et où il y a des strass en fait tout autour. Voilà, je les trouve absolument magnifiques. Et avec la petite barre qui remonte ici, je trouve que ça fait un super joli style. Voilà, je les ai payés quand même en 6 euros, je crois, sur AliExpress. C'est un sacré montant, mais c'est de la super qualité. Voilà, pour maximum 10 euros. Entre 5 et 10 euros, vous avez quand même, j'arrive pas à la remettre, vous avez quand même des belles pièces sur AliExpress. Et quand j'aime, voilà, quand j'aime bien garder assez longtemps les articles, je veux pas que la couleur change ou quoi. Donc du coup, voilà, je préfère mettre un petit peu plus et avoir des boucles d'oreilles qui me durent. Voilà, en deuxième chose de chez AliExpress, c'est ce petit accessoire pour former la virgule de votre eyeliner. Et ma foi, j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il y a des avis complètement négatifs puis d'autres complètement positifs. Moi, j'aime beaucoup parce que, franchement, moi, quand j'ai pas le temps, quand je me sens stressée, j'arrive pas à faire mon trait de liner. Pourtant, je le fais hyper souvent. Donc, j'ai l'expérience, je sais le faire. J'ai un très bon stylo pour le faire. Mais le problème, c'est que quand j'ai pas le temps, bah, je trempe, j'arrive pas. J'utilise quand même des cotons, ça m'énerve. Et avec ça, je trempe dans un petit pot de liner. Je forme la virgule et ça me fait une super base. Donc avec ça, vous avez juste après à relier et à contourner votre œil et votre eyeliner est fait. Donc vous avez le côté droit et le côté gauche pour pouvoir faire pour l'œil droit et l'œil gauche et ça marche super. Ça vaut vraiment pas cher du tout. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. De super trouvailles toujours sur AliExpress. Les filles, super trouvailles. Les pinceaux à sourcils. Ce pinceau, c'est juste une merveille. C'est celui que j'utilise tous les jours. Donc c'est pas celui-là. J'en ai un autre. En fait, celui-là, c'est une réserve au cas où si le. Ça fait des mois hein, que je l'ai. Les poils ne s'écartent pas pour le moment, en tous les cas. Et au cas où s'ils s'écartent, j'en ai pris un autre. Et ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Ils sont petits. Ils sont fins. Donc ils sont hyper maniables à l'utilisation. Vous faites vos sourcils. Vraiment de la pointe à la queue et super bien, vraiment vraiment. Oui, j'ai pris un autre aussi avec des poils un petit peu plus resserrés et encore plus fins. Donc ça c'est vraiment pour aller encore plus en détail sur votre sourcil. Et puis l'autre côté, vous avez un goupillon. Pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. Ça coûte pas cher du tout et ils sont géniaux, vraiment des super trouvailles. Moi j'avais celui d'Anastasia Beverly Hills, hein, le vrai, hein. Je l'avais et ben les poils, c'était un qui ressemblait à ça en plus grand avec de l'autre côté un goupillon. Ben, les poils au fur et à mesure ils se sont écartés. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, ne dépensez pas trop pour ça parce que on trouve vraiment déjà des merveilles sur AliExpress. Ensuite, on va passer à deux petites pinces à épiler que Sephora m'a envoyées pour test. Alors pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis une dingue des sourcils et que dès que je vois un poil, il faut que je l'enlève. Et du coup, ces pinces à épiler, elles sont dans mon sac et je vous assure qu'elles marchent super bien. La pince à épiler, il faut qu'elle soit efficace. Voilà. On a un poil à enlever, il faut pas qu'il se casse, il faut qu'il s'enlève vraiment à la racine, proprement, directement, pas besoin de viser 10 ans. Et ces pinces à épiler, elles font super bien leur job. Vous avez une pince à épiler à bout droit et vous avez une pince à épiler à bout biseauté. Les deux sont hyper efficaces, les filles. Donc, si vous cherchez des petites pinces à épiler de dépannage, vous retrouvez plus votre pince à épiler ou tout simplement à mettre dans votre sac, je vous les conseille vraiment, vraiment, j'adore. Un autre produit que j'ai depuis longtemps, j'avais de la marque Collagena, que je comptais tester en fait pour cet hiver, cet automne-hiver, et j'ai commencé à le tester. J'en ai parlé sur mon groupe Facebook. Je mets le lien du groupe en barre d'infos si vous voulez me rejoindre. Je partage en temps réel sur ce groupe. Et alors ce sont des patchs au collagène
et à l'acide hyaluronique et au collagène marin pour le contour des yeux. J'ai aussi les masques pour tout le visage, j'ai pas encore testé, mais je testerai après. Déjà, je fais que le contour des yeux pour voir ce que ça donne. Les filles, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Alors moi, je le fais en cure, je le fais pas en cure, pardon, je le fais en entretien un jour sur deux. Bon, pour moi, j'avais envie de le tester de cette façon. Je voulais pas tous les jours pour voir vraiment si ça fonctionne même un jour sur deux. Je vous montre ce que c'est. Donc, ce sont des patchs comme ça qui sont imbibés de produits et que vous appliquez sur le contour des yeux. Vous laissez poser 15 à 20 minutes. Ça fait un effet frais, mais vraiment très frais, je vous assure, sur le contour des yeux. Donc, celles qui ont des poches, celles qui ont des cernes, ça va activer votre circulation sanguine et celles qui ont des ridules, qui commencent à se former. Ça va vous les lisser, ça fige en fait un petit peu le contour des yeux, ça fait du bien. Voilà, avant de dormir le soir, vous faites ça avec un thé, c'est un bonheur et c'est un plaisir. Vous voyez, vous sentez pas quelque chose de lourd que vous avez envie de retirer comme parfois on a sur les masques visage qui tiraillent ou quoi, pas du tout. Les 15-20 minutes, ça passe tranquillement, c'est au contraire hyper agréable, ça décongestionne, ça fait un bien fou. Je vous conseille vivement ces contours de yeux, j'ai l'impression qu'ils sont maintenant difficiles à utiliser, pardon, à trouver sur internet. Donc vous avez les patchs et ensuite vous mettez un petit sérum qu'ils fournissent. Moi personnellement, je ne mets que le patch, je ne mets pas le sérum parce que quand je l'ai mis, j'aimais pas, j'ai trouvé que ça faisait trop en fait. Je sentais que ça faisait trop. Il faut vraiment faire en fonction de ce que vous ressentez, de votre ressenti pour la peau. Les patchs, ils m'ont fait un bien fou. Le sérum, j'ai senti qu'après, ça faisait trop. Donc, du coup, j'utilise que les patchs un jour sur deux. Et les filles, je vois de l'effet. J'ai vu un effet immédiat, ça c'est certain. Et à long terme, je vous dirai quand j'aurai terminé la cure, mais je pense que c'est très très bien parti. Voilà. Ensuite, j'ai à vous présenter un baume pour le corps de la marque La Rosée. Je sais pas si vous voyez. Voilà, de la marque La Rosée, crème corps hydratante, donc avec des ingrédients naturels à l'intérieur. Vous n'avez pas de parabènes, de phénoxyéthanol, de BHA, d'huile minérale, etc. Donc ils ont fait un effort sur la composition. C'est une crème hydratante qui fait ma foi très très bien son job. Elle a l'odeur de la fleur d'oranger. Donc si vous aimez cette odeur, les filles, foncez. Elle est vraiment très bien. Il y avait avec, c'est la marque qui me les a envoyés pour tester. Il y avait avec une huile de douche, pardon. Alors cette huile de douche, elle est dans ma salle de bain, j'ai oublié de la prendre. Elle est particulièrement surprenante, c'est-à-dire que quand vous la frottez entre vos mains, elle chauffe. Donc quand vous l'appliquez sur votre corps, elle va chauffer votre corps. Et ma foi, à cette période de l'année, comme ça fait du bien, c'est juste un bonheur. Donc moi, voilà, je rentre dans la douche, quand j'utilise cette huile de douche et que ça réchauffe comme ça mon cœur, mais vraiment l'application, vous sentez de la chaleur, je sais pas, peut-être ils ont mis de la cannelle à l'intérieur, je n'en sais rien, j'ai pas regardé plus loin, mais vous savez, c'est chauffant et ça fait un bien fou au corps, ça fait vraiment vraiment du bien. Après, comme toute huile de douche, ça mousse pas autant qu'un gel douche, mais voilà, c'est hyper agréable, ne serait-ce que pour ça. Et en plus, hyper surprenant, je m'attendais pas du tout. Donc, voilà, la marque La Rosée. Et merci au passage pour les produits que j'ai pu tester avec grand plaisir. Ensuite, j'ai deux autres produits. Alors, ceux-là, je ne les ai pas encore testés. Ce sont des un ange, c'est un shampoing et un après-shampoing d'une nouvelle gamme. Pardon. D'une nouvelle gamme de la marque Clorane. Éclat et couleur, shampoing soin à la grenade anti-dégorgement. Voilà, donc vous avez le shampoing et l'après-shampoing. Je vous en donnerai des nouvelles. Moi, j'aime beaucoup la marque Lorane. C'est pas du 100% naturel, mais voilà, c'est pour un shampoing et un après-shampoing. La composition, je la trouve plutôt correcte. Après, c'est vrai que je favorise beaucoup les shampoings sur ma chaîne, les shampoings naturels que j'achète sur iHerb. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi passer avec une composition un petit peu plus riche en fait pour mes cheveux. Sans que ce soit étouffant, bien sûr. Si je sens que ça les étouffe, j'arrête. Mais pour l'instant, sur Clorane, je suis plutôt contente. J'ai essayé aussi leur gamme à l'huile d'olive qui était très très bien. Donc voilà, après moi je vais utiliser que le shampoing. L'après-shampoing, je le laisserai à mes filles qui ont les cheveux beaucoup plus longs que moi. Mais moi j'utiliserai que le shampoing. Je vous en donnerai les nouvelles sur mon groupe Facebook. Et enfin,
Enfin non, c'est l'avant-dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo. C'est un soin naturel. 99% des ingrédients sont naturels pour blanchir les dents, les amis. Et alors, on a souvent entendu que l'huile de coco en bain de bouche, ça faisait, comment dire ça? Ça redonnait de l'éclat aux dents, ça blanchissait les dents. Et donc là, vous avez en stick, voilà, des petits sticks comme ça. Une dose, voilà, une dose pour un bain de bouche. Donc, vous vous brossez les dents, vous videz cette petite paille. Oula, j'ai du mal. Cette petite paille dans votre bouche et vous l'utilisez pour faire un bain de bouche. Vous avez trois sortes à l'intérieur. Donc, c'est de la marque Merci Andy. Et franchement, le packaging est super sympa. Donc, vous avez au réglisse, à la menthe et au cassis. Moi, j'ai essayé à la menthe pour le moment. Et les filles, mon Dieu, comme ça marche bien. Donc, j'ai regardé la composition. C'est de l'huile de coco, mais pas que. Vous avez aussi du charbon à l'intérieur et des arômes. Voilà, donc vous avez 99% des ingrédients qui sont naturels. Vous ouvrez la paille, vous la videz à l'intérieur de la bouche. Alors, attention, c'est l'huile de coco. Ça se solidifie à température plutôt fraîche, pas froide. Parce que chez moi, il ne fait pas froid, non plus frais. Mais enfin, là, c'est solide. Soit vous le malaxez entre les mains pour réchauffer, ça devient liquide, soit vous faites réchauffer dans de l'eau chaude, et là ça devient liquide, et vous le mettez à l'intérieur. C'est une cure de 14 jours. Et voilà, il vous donne un petit détox challenge. Donc c'est une cure de 14 jours à faire tous les jours. Et ma foi, ça fonctionne très bien déjà sur l'effet immédiat. Je ne sais pas si je vais faire une cure ou je vais l'utiliser quand vraiment j'ai pas les dents super jaunes, hein, j'ai les dents plutôt blanches, mais j'ai envie de l'utiliser plutôt quand je sens que j'en ai besoin. J'ai pas vraiment envie de l'utiliser en cure parce que je préfère les garder vraiment au besoin. Mais c'est génial. En plus, ça vous fait une émaille super lisse. C'est-à-dire que c'est brillant, vos dents sont brillantes. Voilà. Vous avez les dents des actrices de cinéma. C'est assez incroyable. Et donc du coup, ce mix, il est disponible sur le site Merci Andy. Sinon, à partir de juin, vous les aurez chez Sephora aussi de manière unitaire. Donc soit au réglisse, que au réglisse, au cassis ou à la menthe, au prix de 19,90 €. Voilà. Donc là, vous avez avec un petit dépliant qui vous explique tout. Et franchement, le packaging de chez Merci Andy, j'adore. Franchement, j'adore. C'est hyper ludique, c'est hyper sympa. Moi, quand on m'a dit que l'huile de coco en bain de bouche, ça fonctionnait super bien pour blanchir les dents, j'ai rechigné à le faire. Je vous avoue, j'ai jamais essayé. J'ai pas supporté, en fait. Enfin, j'appréhendais le fait de me mettre de l'huile dans la bouche et de faire ça en bain de bouche. Et avec ça, bah, je me suis lancée, tout simplement parce que c'est sympa, c'est mignon, c'est drôle, il y a des arômes à l'intérieur. Et voilà. Et ça marche. Donc, que demander de plus? Voilà. Et enfin, un déodorant maison 100% bio que je fabrique moi-même. Une tuerie, les filles. Voilà. J'ai jamais testé un déodorant aussi efficace que celui que j'ai fabriqué moi-même. C'est dur. La plupart des produits viennent du site Aromazone. Je vous ferai de toute façon, je vous en ai parlé dans mon précédent rôle à Aromazone, mais je vous ferai de toute façon, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous ferai de toute façon une vidéo qui décrit vraiment en détail ce que j'ai fait, ce que j'ai mis, comment je l'ai fabriqué. Et surtout, je vais essayer de le fabriquer avec vous. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. En tous les cas, pour cette vidéo, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les produits vous ont plu et vous donneront des idées pour les produits. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un dernier produit. Ce sont les dentifrices de la marque Buccotherm. Alors, qui sont à l'eau thermale. Donc là, vous avez le Buccotherm à la menthe classique pour adultes et le Buccotherm pour enfants. Alors malheureusement, je ne valide pas parce que le Buccotherm gourmande, il est trop liquide, il est trop fort, il n'est pas agréable. La menthe, elle n'est pas assez sucrée, c'est pas agréable à l'utilisation. Et pareil, les enfants, moi j'ai pas testé celui des enfants, mais les enfants, ils vont pas aimer non plus celui-là. Je pense que le goût est trop fort. Cette 12 ans gourmande douce, bah, elle n'est pas si douce que ça, et pas sucrée surtout. Voilà, c'est une menthe trop trop brute, trop. Pour les dents, c'est pas top. Enfin, pour le goût, c'est pas top parce que sinon, elle fait bien son job, mais ça mousse pas assez. Faut en mettre beaucoup, vraiment beaucoup pour que ça mousse. Et encore, ça mousse pas énormément. Donc,
Voilà, donc non, malheureusement, je ne valide pas. Sinon, au niveau de la composition, c'était plutôt pas mal. Et surtout, ça contenait de l'eau thermale. Voilà. Donc voilà, les amis, cette fois, j'en ai terminé. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.